أزول فلون أنسو في سون غارث ذويل تكي ثمينوث أول نون في ثدارث تي في أكيد يسويس العادة ذي يلوطون أول نون نسويد أول أفدافخ نظار يوكنا كنا نهضر أفهين نظارنو كي ثرفع يذول فويا عن تمورث ناغ تمورث نالزاير أساكي أدنوي أول أفتر فات في المنزان اللق فايل ثرفع ثلاجاسكا إميلي حلايس أسبو ساكي أسفر حرا ماضي ماضي هوايا نعرضت أميورر أقضي من تربع لاجاسكا ذا ميورر إسنمي قادان ذي تربع لاجاسكا ذي تربع من الموب ذاغن مس كمال يسليم مس كمال أزول بونجور بيانفينيو سور تدر تيفي أزول أزول في الأول مرسي بور انفيتاسيون كان مرثيك ثان مرثيك ثام قرانت جتو رمرسي لفا أكسبتا داتر avec nous dans cette émission, nous allons évoquer beaucoup plus la jeunesse sportive de Kabylie. Donc, Kamal Yesli, juste pour faire un petit peu une petite rétro sur ta carrière, donc est-ce que tu peux nous retracer un petit peu brièvement le chemin, ton parcours, ton cheminement depuis la formation? Alors, pour faire très court, On j'ai connaît commencé le Kamal foot à Yesli qui l'âge est passé de... par la GSK, mais on veut connaître un peu plus sur son parcours avant, après, etc. Alors, pour faire court, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans, en région parisienne, à Évry, jusqu'à l'âge de mes 10 ans, avant d'être repéré par le Paris Saint-Germain. Du coup, j'ai fait toute ma formation jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, ma dernière année, j'ai eu... de graves blessures. J'ai eu deux fractures au métatarse, une au pied droit, une au pied gauche, ce qui m'a fait perdre un an en gros. À la suite de ça, ben, mon contrat n'a pas été renouvelé. Je suis rentré à la maison chez les parents. Je me suis remis sur pied. Après, j'ai signé en CFA à Sainte-Geneviève-des-Bois et j'y ai passé une saison avant d'être repéré par le Paris FC à l'époque en national. J'y ai passé 3 ans et après la GSK et le MOP. D'accord. Après le mob, vous avez arrêté votre carrière, c'est ça? En fait, après le mob, ça a été Non. tellement compliqué. La petite recherche que j'ai fait, j'ai vu que le mob, c'était ton dernier club, c'est ça? C'est bien ça. En fait, après le mob, il s'est passé, enfin, durant ma période au mob, il s'est passé tellement de choses qu'au final, j'étais un peu déçu. Les conditions ont été horribles. Pour être honnête, on n'avait pas d'hébergement. On s'est retrouvé à dormir dans notre voiture parce qu'on n'avait pas de passeport pour aller à l'hôtel, vu que les passeports étaient dans les ambassades pour les visas, etc. On n'a pas été payé. À ce jour, je suis toujours pas payé. J'ai gagné mon procès à la Ah. CRL, et ça va faire bientôt 6 ans, ils m'ont toujours pas réglé. Pourtant, c'est pas comme si je suis venu de Justement, rien. pour vous, Kamel, qui est un émigré, qui est venu pratiquer le football en Algérie, donc en général, comment as-tu trouvé, avez-vous trouvé le niveau du football algérien à cette époque-là? Très bon, honnêtement. En fait, je pense Sur que le le plan sportif. Algérien, il a des choses dans son corps, c'est dans les gènes. Il y a des choses qui... Voilà, il y a des pays où ils ont la chance d'avoir de la qualité. En Algérie, c'est le cas. Et franchement, j'ai trouvé des joueurs super. En tout cas, moi, pour mon expérience à l'époque où j'y étais, il y avait des très, très bons joueurs. La preuve, ne serait-ce que dans mon équipe à la GSK, il y avait Djamel Belhamri qui a été champion d'Afrique. Quelques années plus tard, il y avait Ali Riyad qui était international, Malik Asla. Donc ça en fait. Ça en fait des très bons joueurs. J'ai eu la chance de jouer avec eux et ben, j'en suis fier aujourd'hui. Je me rappelle bien, d'ailleurs, il y a beaucoup de supporters qui ont posé cette question-là. Je suis un petit peu les réseaux sociaux, j'ai suivi même les partages que tu fais dans tes réseaux, dans différents réseaux sociaux. Donc, j'ai vu une question qui revient souvent, pourquoi Kamel Yesli a quitté subitement la GSK? Et pourtant, tu as fait un parcours très, très honorable. Je me rappelle, moi, en tant que supporter, le beau but que tu as inscrit face au Moulay d'Alger à environ 25-30 mètres. Donc, là, je le dis, je le répète, hein, c'est un parcours très, très honorable, mais à la fin, n'a pas été vraiment tendre. Pourquoi ce départ Alors, subitement? en gros, j'y ai passé les 2 premières saisons. La première saison a été incroyable. On avait fait finale de Coupe d'Algérie, perdu au pénalty, et deuxième du championnat. Donc après ça, je pars en vacances comme tout le monde pour me reposer. Je commence à faire une préparation, mais moi, je ne connaissais pas le championnat algérien. Donc pour moi, je me suis dit, on a une équipe et un groupe vraiment incroyable. On pouvait partir en stage 15 jours avant la finale, à huis clos, on était loin de nos familles, etc.
Mais il y avait tellement une ambiance de travail incroyable qu'on ne sentait même pas le stage. Limite, on était heureux d'être ensemble plus que d'être à la maison. Donc, je Ah, c'est pense que sûr. ça s'est ressenti sur le terrain. Donc, en partant en vacances, je dis à certains collègues, je pense que l'année prochaine, on va tout gagner. On était qualifiés en Ligue des Champions. Et je me suis dit, avec l'effectif qu'on a, l'ambiance qu'on a, il n'y a pas de raison qu'on ne remporte pas quelque chose l'année d'après. Au minimum, le championnat. Moi, je m'étais dit, le championnat, je pense qu'on va le ramasser, la coupe aussi, et la Ligue des Champions, bah, c'était une première expérience pour moi, mais bon, le club a tellement une histoire que on est censé aller loin. Sauf que Okay. j'apprends qu'en Algérie, c'est pas comme ça. À ma grande surprise, je vois qu'il y a plus de la moitié de l'effectif qui est libéré, et on repart l'année suivante avec une toute nouvelle équipe, un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. J'arrive en stage, je me dis, bon, je vais faire mon travail, hein, je suis là pour travailler. Sauf que bah, c'est pas comme avant. On le ressent dans l'ambiance, on le ressent dans le travail, ça se passe pas comme prévu, les résultats ne sont pas là, les stages ont été compliqués. Après, il y a eu des mauvais choix. Après, maintenant, avec le recul, je peux me permettre de le dire, mais on est en plein Ramadan, on part en stage en France 3 semaines, c'est pas la culture ici, donc difficile de faire des entraînements la nuit, il faisait froid. Il y avait d'autres, je pense, à cette époque-là, il y avait d'autres solutions. Les pays du Maghreb, la Turquie, voire les Émirats, si vraiment il faut. Je pense qu'on aurait été dans un meilleur cadre. Donc le stage ne se passe pas très bien, les matchs amicaux ne sont pas de qualité, parce qu'on ne joue pas des bonnes équipes non plus. Donc ça ne permet pas de jauger, même si le premier match on avait gagné 7 ou 8-0, ça ne montre pas où est-ce qu'on en est vraiment. Il fallait se confronter à des équipes d'un certain niveau pour savoir si on est prêt ou pas. Après, bon, quand on est dedans, ben, on suit le rythme, on n'a rien à dire. On est là pour travailler, donc on accepte les décisions. Après, on commence le championnat, ça va. Et après, il y a le fameux match contre l'USMA où le regretté Albert nous quitte, le pauvre paix à son âme. Et de là, ça a été très, très, très compliqué. Ça a été très compliqué. On a eu les huis clos à l'extérieur, les huis clos, on n'a jamais joué à Tizi. Donc l'ambiance était compliquée, après il y a eu des changements, il y a eu le changement d'entraîneur, etc. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais à partir de peut-être janvier ou février, le président Hanaché venait me voir pour me proposer de prolonger. Et moi je lui avais donné ma parole parce que je suis Kabyle et j'ai été élevé comme ça, la parole c'est la parole, donc il n'y a pas besoin de papier, si je te serre la main, c'est que je vais le faire. Donc je lui ai dit, vous inquiétez pas président, on se sauve et après je prolonge. Vous pouvez compter sur moi, même si on me propose plus ailleurs, j'irai pas. Je reste ici, c'est ma maison, je suis de la région. Tizi Ouzou, j'ai ma maison de famille. Et je venais quand j'étais enfant, j'ai dit, vous inquiétez pas, je pars pas, je suis bien ici. Il me dit, pas de problème. Il m'a fait confiance. Fin de saison, il est venu me voir, il m'a dit, alors c'est bon. J'ai dit, oui, je rentre en France quelques jours et je reviens pour signer. Finalement, lui, il est venu en France une semaine après. Et il est venu chez moi. On a discuté et il a vu le contrat. Et du coup, j'ai signé, sans poser de questions, alors que quand je suis rentré en France pour des congés, j'ai eu les appels sans prétention, de pas mal de clubs, où ils me proposaient vraiment des salaires vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Et j'ai refusé parce que j'avais donné ma parole. Donc, quand le président Ranaché est venu à la maison, on a discuté, ça a duré 1 heure, et on n'a pas tourné autour du pot. Il a dit, moi, je veux que tu restes. Et on va reconstruire une grande équipe, etc. Je dis, moi, ça tombe bien, j'ai envie de rester. On n'a pas parlé argent, j'ai vu ce qu'il a proposé, j'ai accepté. J'ai signé et je suis rentré en Algérie quelques semaines plus tard pour la préparation. Et là, les problèmes commençaient. Là, les problèmes ont commencé parce que la préparation ne se passe pas comme prévu, on a des mauvais résultats. Le groupe est moyen, on va dire. Le championnat commence difficilement et 3 mois après, je suis libéré. Pourquoi? Parce qu'il y a un dirigeant à l'époque, je ne sais pas s'il est encore au club, parce qu'on le voit moins, mais qui a tout fait pour que je parte. Donc lui, les yeux dans les yeux, il m'a dit que je ne méritais pas de jouer à la JSK, que j'étais pas un bon joueur et que j'avais rien à faire ici. Et si ça avait été lui le président à cette époque-là, jamais j'aurais prolongé et m'aurais libéré. Donc quand il me dit ça, alors que j'estime avoir fait le maximum et avoir toujours respecté tout le monde, le club, les supporters, mon métier et ma famille. Parce que quand je suis là-bas, j'essaie de représenter ma famille le mieux possible. Et quand il me dit que moi, je mouille pas le maillot, que je suis un tricheur, et en fait, il me reproche tous les défauts du monde, quoi.
Et qu'après, quand je vois dans les médias que le président Ranaché dit que j'ai refusé de bouger mon maillot, c'est exactement la phrase que cette personne m'a dit à moi. Mais c'est pas sorti de ma bouche. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je pense que c'est fini. Malheureusement, le président n'a même pas voulu me voir au moment où je suis parti, parce qu'il était gêné. Il m'envoyait quelqu'un, parce qu'il savait que j'avais rien fait de mal. Donc en partant de là, à 14h, c'est annoncé dans les médias que j'étais libéré. À 14h30, mon téléphone, il n'a fait que sonner. Tous les clubs voulaient me récupérer. Mais voilà, le cœur, je suis loyal, honnête. J'ai dit, écoutez, je vais rentrer en France, je vais signer nulle part. Et après, quand un autre club kabyle est venu, c'est-à-dire Béthiria, et j'ai cru au Juste projet. après, vous êtes rendu au MOP, c'est ça? C'est Juste ça. après. C'est ça. Parce que je me suis dit, voilà, c'est la Kabylie, c'est à côté de chez moi, ça va être plus facile l'adaptation, etc. Si j'ai un petit coup de blues, je prends ma voiture et je vais à Tizi me ressourcer même quelques heures et je repars. Il y avait plein d'avantages d'être à Béthiria. Le président avait appelé chez moi, vous inquiétez pas, etc., etc. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. C'était là, je crois, une catastrophe. C'était une catastrophe. Combien de temps avez-vous passé au MOB en fait? Au MOB, je suis arrivé en juin parce qu'il y avait la Coupe d'Afrique. Début juin, j'étais là-bas. D'accord. Et on est passé au tribunal à la CRL le 1er février. Ok. Donc, ils ont tout fait aussi pour me dégoûter de l'avion. Le MOB a fait un excellent parcours en On Coupe allait jusqu'en d'Afrique. finale de la Coupe d'Afrique. Ouais. Ouais. Et sauf que le président n'a rien payé, est parti avec l'argent, on va dire, a volé l'argent, À quoi. ce jeu. Voilà. Donc au final, Malheureusement. Voilà. malheureusement. Alors, Kamel, je vois que vous êtes vraiment très, très attaché par rapport à la jeunesse sportive de Kabylie, hein, comme nous tous. Donc, avant de passer justement à l'actualité ou ce qui arrive actuellement au club phare de la Kabylie, cher à tous les Kabyles, donc, j'ai oublié de vous poser cette question-là au départ. Vos origines en Kabylie, sont où? Vous êtes d'où en fait? Benitoala, et mon papa est à Trelfon, le village, et ma maman à Agumon. Ça vous arrive de vous rendre là-bas souvent? Ah, souvent. Souvent, à chaque fois que j'y D'accord. suis. Plus chez la famille de ma maman, à Agumon, parce que j'y me reste encore ma grand-mère. Et à Trelfon, moins, parce qu'il n'y a plus personne encore. Donc, Ah, ok, quand je parfait. viens, c'est Tizi, Agumon et Tizi tout le temps. D'accord, parfait. Donc, comme je le disais au début de l'émission, la situation actuelle du club phare de la Kabylie, la jeunesse sportive. Le Kabylie n'est pas vraiment, actuellement, n'est pas vraiment dans ses meilleurs jours. Donc, sur le plan local, dans le championnat, elle enregistre, d'ailleurs, aujourd'hui même, elle enregistre sa 9e défaite dans la 3e de suite. Il y a eu 3 changements d'entraîneur. Malheureusement, sur tous les plans, le club ne va pas bien. Donc, quel constat fais-tu ou bien quel commentaire fais-tu par rapport à cela? Bah déjà, c'est un sentiment de tristesse. Parce qu'on peut pas, je peux pas dire comment juge-tu le parcours parce que c'est un parcours vraiment malheureux. Hein. Je ne trouve pas de mots sincèrement pour décrire ce parcours. Mais je te laisse le soin justement de parler un petit peu de votre ressenti par rapport à cette situation. Bah, le premier mot qui me vient, c'est tristesse, forcément. J'étais à Tizi hier encore. Donc, comme je l'ai mis sur ma story Instagram, parce que je suis allé faire mes courses dans une petite supérette et la personne qui, le patron, m'a montré une photo. Et en gros, cette photo-là, c'était la photo de notre époque. On avait fait le 2013-2014. Donc, le monsieur me sort cette photo parce qu'il me reconnaît. Il commence à me parler de l'histoire de la GSK, forcément en échange, et il finit par pleurer. Les larmes aux yeux, il pleure parce que lui, il a connu la grande GSK, après les soucis, puis après ça commence à remonter, et puis finalement, là, en gros, il se dit, depuis quelques années, c'est compliqué. Il y a de temps en temps une petite lueur d'espoir, et au final, quelques temps après, ça repart dans les travers. Donc lui, il est touché. Après, donc, comme il m'explique, après ça, je le connais, je le sais, hein, la tâche des Kabyles, c'est la GSK. La GSK, c'est le porte-drapeau, c'est la représentation, c'est plein de choses. Identité. Pour eux, ce qu'ils souhaitent, c'est juste que la GSK soit en haut et remporte des titres. Ils veulent rien de plus. Eux, s'ils ont ça, ils sont heureux dans leur vie. Je comprends. Donc là, la situation actuelle est vraiment, vraiment compliquée.
Donc, je vois que tu suis de près la situation du club. À votre avis, Kamal, qui est le responsable de la situation actuelle? Moi, j'ai toujours suivi le club. Après, à la base, je suis quelqu'un d'assez discret, donc je Aujourd'hui, m'exprime pas beaucoup. Kamal, si tu me permets, il faut désigner les responsables. Actuellement, on est à mi-parcours et je pense qu'on peut déjà dire que c'est le pire parcours depuis la création du club. Donc, aujourd'hui, il faut désigner les responsables. Toi, en tant qu'ancien joueur, je pense que tu as un mot à dire là-dessus. Donc, qui désignes-tu comme responsable aujourd'hui? Les supporters, la direction, les entraîneurs, les joueurs, le staff Moi, ou tout le monde? si je peux me permettre, en ayant vécu à l'intérieur et aujourd'hui en étant à l'extérieur, un grand club comme ça, il doit avoir de la stabilité. On ne peut pas changer d'entraîneur toutes les semaines. Parce que l'entraîneur qui arrive, il a un projet. Il faut qu'il mette les choses en place. Mais si au bout de 2 matchs, on le libère pour prendre un autre, au final, on ne fait que se recommencer, 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 mais du coup, ça n'avance pas. Mais aujourd'hui, c'est facile, hein. Moi, j'ai été joueur. Donc, quand l'équipe ne va pas bien, forcément, c'est l'entraîneur, le souci. Donc, on libère l'entraîneur parce qu'on ne peut pas libérer 26 joueurs. Malheureusement, c'est le métier qui est comme ça. Mais aujourd'hui, les joueurs sont en place. On change une fois d'entraîneur pour créer un électrochoc. Ça ne change rien. À un moment donné, la direction qui est en place, aujourd'hui, elle est telle qu'elle est. C'est eux les responsables, forcément, parce que c'est eux qui prennent les décisions de libérer l'entraîneur ou pas. Vous savez, il y a des clubs en Europe. La direction met un entraîneur en place. L'entraîneur n'a pas de résultat tout de suite. Mais la direction a confiance, laisse le temps à l'entraîneur de développer son jeu, etc. Et après, les résultats arrivent. Sauf qu'un club comme AGSK, il faut des résultats tout de suite. Mais libérer des entraîneurs toutes les semaines ou tous les 15 jours, la phase aller vient de se terminer. Aujourd'hui, troisième entraîneur, c'est du jamais vu. Forcément, ça n'aide pas le club, ça n'aide pas les joueurs, parce que les joueurs vont commencer à s'adapter à un système. Sauf que derrière, l'entraîneur est libéré, un nouvel entraîneur arrive, c'est un autre système, et ainsi de suite. Donc c'est un cercle vicieux. Mais la solution, ce n'est pas ça. La solution, ce n'est pas ça. Donc forcément, si aujourd'hui on me demande de désigner un responsable, ben forcément, je vais mettre la direction parce que c'est eux les patrons du club, on va dire. C'est Oui, ça le exactement. souci. Donc, le principal élément, c'est la stabilité. Malheureusement, comme on voit, on est passé de José Riga, le Belge, vers Amrani, on a laissé l'intérim à Ben Safi, on a ramené Andy, le nouvel entraîneur actuel. Donc, je pense que les résultats ne suivent pas. Donc, pour vous, Kamal Yesli, quelle est la situation aujourd'hui pour provoquer le déclic sur le plan sportif, mais aussi sur le plan gestion, marketing et commercial? Donc, quelle est la solution? Tout le monde est à la recherche d'une clé. Je pense que Kamal Isli, est-ce que vous avez une solution, vous, d'après votre vision des choses? Après, quand on est en extérieur, forcément, on a tous des solutions. Moi, j'ai ma petite idée, mais ce n'est pas mon métier. Maintenant, je vais la donner quand même parce qu'on est là pour discuter et moi, je n'ai aucun filtre. Et si ça peut, ma petite pierre peut aider à une avancée, mais si chacun met une petite pierre, peut-être qu'on va construire quelque chose de grand. Maintenant, si vous regardez les clubs européens ou même américains, les clubs de foot, c'est des entreprises maintenant. Ce n'est plus des clubs de plaisir. Et commercial. C'est des sociétés commerciales. Maintenant, si vous regardez les clubs les plus riches en Europe, c'est des clubs qui ont une stratégie globale. Ça passe partout, par l'équipe, par le logo, par la boutique, par les fans. Les supporters sont importants. Sans supporters, il n'y a pas de club. Moi, en tant que joueur, quand on jouait à huis clos, c'était triste. On aurait dit un entraînement. Mais quand on rentre sur le terrain, l'échauffement, et qu'il y a 20 000, 30 000, 50 000 personnes, ah, c'est pas pareil. On a 2 fois plus de force. Donc, moi, Exactement. personnellement, pour avoir côtoyé le centre de formation, avoir côtoyé des joueurs qui ont fait des carrières, qui ont joué à Liverpool, qui ont fait la Coupe du Monde, qui ont fait la Ligue des Champions, pour continuer à échanger avec eux, et parfois leur rendre visite, et du coup, bah, ils m'invitent au centre d'entraînement, et du coup, je regarde, j'observe, j'échange. On est à des années-lumière en Algérie, malheureusement. Et pourtant, ce n'est pas les moyens qui manquent, ce n'est pas les infrastructures qui manquent. Il y a tout pour. Il y a tout pour. Mais c'est de la stabilité. Petit à petit, on peut construire un grand club. La GSK, c'est déjà un grand club. Il y a juste à remettre des bases saines pour repartir. Parce que l'histoire est là.
on n'a pas un, on a, on prend pas un club en cinquième division et on va créer une histoire à ce club en le faisant monter petit à petit, etc. etc. Non, et là, il y a tout. Il y a les supporters, il y a le peuple, il y a la diaspora, parce qu'il y a les Kabyles d'Algérie, mais il y a les Kabyles de France, du Canada et du reste du monde. Tout ça compte. Justement, je ne sais pas si tu es au courant, je me permets de te tutoyer à l'occasion. Il n'y a pas de Je ne problème. sais pas si tu es au courant, lors de l'ancienne direction, il y a eu un comité ou bien une association, ce qu'on appelle l'Amicale internationale des supporters de la GSK, qui n'est plus en activité. Donc, je pense que c'est par rapport à ça que c'est dans ce sens-là que vient ton idée, donc faire participer les supporters, n'est-ce pas, c'est ça? C'est ça, je ne savais même pas que ça existait, pour être honnête, cette association. Mais chaque Kabyle a un attachement pour ce club. Il faut faire en sorte que chaque Kabyle participe à ce club. Pas forcément financier. Parce qu'il n'y a pas besoin. Des fois, l'amour de quelqu'un, c'est mieux que l'argent. On ne va pas demander aux supporters de payer. Mais le fait de soutenir, déjà, c'est beaucoup. Et après, malheureusement, c'est que je croise des supporters en France, en Algérie, quand je viens, ou même sur les réseaux sociaux qui m'écrivent. Malheureusement, il y en a qui sont avec le club quand ça gagne, et quand ça gagne pas, ils critiquent. Mais c'est pas comme ça. Aujourd'hui, je suis avec mon fils, je l'aime parce que c'est mon fils. Si demain il fait une bêtise, je vais quand même l'aimer. Je vais pas l'aimer quand il a des bonnes notes, et quand il a des mauvaises notes, je vais le renier. Donc c'est ça aussi, c'est un peu je t'aime moi non plus, je t'aime quand ça m'arrange et je t'aime pas quand ça m'arrange aussi. Donc il y a ça aussi. Mais après, il y a une fan base incroyable de ce club. Incroyable. Il y a des clubs en Europe qui n'ont pas ça. Je ne comprends pas pourquoi on ne se sert pas de tout ça pour créer un club puissant économiquement, puissant médiatiquement, avec une image propre. Dans le sens où, quand on dit à quelqu'un JSK, on pense grand club, trophée, qui a régné sur l'Afrique, qui a régné sur l'Algérie pendant des années et des années. Ces Surtout derniers temps, identité. c'est plus. Voilà. Et identitaire, bien sûr, ça, c'est la base. Ça, c'est la base des bases. JSK, le K, elle veut dire beaucoup de choses. Exactement, tout à fait. Avec Bon, tout ça, on n'arrive pas à Kamel, créer je quelque voudrais chose. juste revenir un petit peu, justement, pour ne pas qu'on saute directement. J'ai vu que vous avez déclaré récemment dans vos réseaux sociaux que vous avez une idée, un projet que vous allez présenter aux instances du football algérien, pas nécessairement seulement aux responsables de la GSK, mais à l'ensemble des instances qui gouvernent notre football. Donc, est-ce que tu peux être un peu plus explicatif là-dessus? Alors, sans dire trop de détails, parce qu'il faut protéger le projet, Oui, un peu, bien évidemment, ça va c'est faire juste un an l'idée. maintenant, ça va faire un an maintenant qu'on travaille dessus avec mon frère. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai arrêté de jouer, j'avais ouvert des commerces en parallèle, donc à Bordeaux. J'ai quitté Paris pour Bordeaux. J'ai ouvert un restaurant, j'ai ouvert un barbershop. Maintenant, j'ai une marque de vêtements et j'ai une marque de boissons, boissons bio et énergétiques. Donc je fais tout ça et après à un moment donné j'avais l'envie de revenir dans le foot, mais moi j'ai pas envie d'être entraîneur et j'ai pas envie d'être agent, ça m'intéresse pas. Et je voulais quand même aider, Le classique. voilà. Et moi je voulais quand même aider le foot. Je peux jouer, non, ça y est, j'ai fait mon temps, faut laisser la place. Et je voulais être utile. Et comme l'Algérie m'a beaucoup donné et la GSK beaucoup beaucoup, je me suis dit, tiens, je vais la rendre d'une façon. Donc, on a travaillé avec mon frère. Mon frère est ingénieur en informatique. Et du coup, on a travaillé, on a développé pas mal d'idées jusqu'à trouver une idée qui ferait que l'écosystème du football algérien permettrait de générer énormément d'argent pour le football, mais pour le développement, pas pour se remplir les poches. Si un club pense qu'il va se remplir les poches grâce à ça, non, ça va permettre d'aider les budgets des clubs. Ça va permettre de développer les centres de formation, ça va permettre de développer comment dirais-je, l'image des clubs. Voilà, ça va permettre aux clubs de gagner de l'argent, tout simplement. Générer Et c'est leur l'écosystème propre du club. revenu. Exactement. Et Donc, plus le c'est club est important. grand, plus les revenus sont importants.
Avez-vous, sans être indiscret, puisque vous dites vous êtes toujours en réflexion et en construction de l'idée en elle-même, donc avez-vous déjà pris Non, non, attache l'idée est avec. prête. L'idée est prête. L'idée est finie, ça y OK. est. Avant de Avez-vous déclarer sur pris. le projet, j'ai bien finalisé le projet. Tout est prêt. Maintenant, il y a juste à aller le présenter aux personnes concernées. Vous avez Et déjà pris attache avec les responsables des instances? Ou non, pas bien. encore. Pas encore. Là, j'étais ces 15 derniers jours en Algérie, à Tizi, pour préparer certaines choses. Donc, j'ai pris des rendez-vous avec avocats, etc., pour bien ficeler le projet. Parce que je pourrais le dire là, mais tant que ce n'est pas déposé et validé, je préfère ne rien dire. Mais voilà, en gros, c'est l'écosystème du football et du sport en général, mais d'abord le football. OK. Et vous pensez que ce genre de projet sur le terrain en Algérie, c'est réalisable? Parce que Oui. là, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, d'investisseurs qui sont venus par le passé, pas seulement à la GSK, mais dans différents clubs. Mais à la fin, malheureusement, c'est, on va dire, c'est pas mal, vraiment la catastrophe pour eux à la fin. Est-ce que Je vous pense pensez qu'il que c'est quelque je pense chose qui peut être réalisable concrètement sur le terrain? Ben, j'y crois forcément. J'y crois, sinon je ne viens pas pour parler de ça. J'y crois, un, parce que c'est bénéfique pour les clubs. Deux, ça va permettre de ramener plus d'argent pour les clubs. Trois, ça va aider au développement du foot. Et le vivier qu'il y a en Algérie est incroyable. Le vivier est incroyable. Mais par manque d'exploitation, par manque de sérieux, par manque d'encadrement, il y a des joueurs qui passent à côté, alors qu'ils pourraient faire des carrières incroyables en Algérie, voire en Europe ou aux États-Unis. Donc, je reste modeste, bien sûr, hein, je ne viens pas révolutionner, je suis personne, mais je pense qu'on peut venir apporter notre pierre. Et nous, on y croit. Maintenant, il faut que les clubs soient réceptifs, il faut que les clubs adhèrent au projet aussi, parce que c'est un échange, c'est un partage. Si les clubs ne sont pas en adéquation avec nous, ça va être compliqué de développer le projet. Mais en faisant des calculs avec un comptable, en faisant un business plan, en faisant des recherches, des études de marché, etc., on s'est dit, le budget d'un club, c'est tant, et ben, on peut leur apporter tant d'argent en plus, ce qui permettrait de parfois combler les trous, éviter les déficit et arrêter de balancer l'argent n'importe où. Au final, le perdant, c'est le joueur et le club au final. Parce que le joueur va faire quoi? Va faire comme moi, va aller à la CRL, va aller porter son dossier. Et si c'est justifié, bah, le club sera condamné à payer. Donc les clubs, au lieu de payer les joueurs qui sont en place, ils sont en train de payer des joueurs qui ne sont plus au club. Donc c'est un cercle vicieux. Et au lieu de sortir la tête de l'eau, on fait que la remettre, la remettre, la remettre. Donc moi, nous, on vient avec on est dans l'idée de l'écosystème du foot, parce que le football algérien professionnel, dans un premier temps, génère de l'argent, ce qui va permettre de faire grandir tout le monde, en fait, parce que c'est les moyens financiers qui font évoluer les projets. Sans argent, on ne va pas très loin, malheureusement, en tout cas à notre époque. Dans la même lignée que ton idée, Kamal, l'ancienne direction de la jeunesse sportive d'Acabli a initié un petit peu le projet de générer des revenus pour le club. Je cite notamment, on a parlé de ça en off, la boutique Ouzo. Donc, c'est, on peut dire, le premier club en Algérie qui a initié sa propre marque d'équipementier. Donc, que pensez-vous par rapport à cela? Avez-vous, j'ai vu qu'aussi vous avez partagé une photo sur les réseaux sociaux de la boutique en question. Bah, pour être honnête, c'est parce que j'habite pas très loin. OK. J'ai ma maison à pas très loin de là. Et D'accord. Mais actuellement, il est fermé, malheureusement. c'est ça. Parce que moi, à l'époque, quand j'y jouais, c'était le cercle. Nous, on y allait manger, Exact, tout etc. à fait. C'était le cercle, oui. Mais ça, c'est des idées qu'il faut développer, qu'il faut pousser. Franchement, c'est le premier club en Algérie qui a fait ça. Ça fait partie de moyens financiers. Voilà où un supporter qui aime son club, il va acheter le maillot. Au lieu d'acheter un maillot contrefait, et ben il fera l'effort en se disant, soit je paye le maillot 1000 dinars dans un magasin de contrefaçon, soit je paye par exemple 4000 dinars dans cette boutique officielle du club, mais mes 4000 dinars, ils vont participer à aider le club. Il y a des gens qui vont le faire. Amoureux du club. Après, je parle, les gens, les pauvres qui n'ont pas forcément de grands moyens, bah, ils iront acheter le maillot à 1000 dinars.
Mais la majorité iront acheter quand même le maillot dans la boutique officielle du club, ce qui va permettre de faire rentrer de l'argent au club, et ça va développer, développer, développer. C'est comme ça que ça marche. Regardez en Europe, quand le PSG achète Messi, une fortune, le paye une fortune, derrière tout est calculé. Ils vont vendre des fortunes de maillots. Donc là, le transfert, le salaire, tout est remboursé pour Messi. C'est bénef. C'est bénef pour eux. Il a gagné la Coupe du Monde, hop, ça a explosé. Encore plus. Donc il fait que c'est comme ça que les clubs sont riches en fait. Tout simplement. Donc cette idée de boutique, c'était une très bonne idée. Malheureusement, elle est fermée, c'est triste. Mais il faut pas lâcher, faut continuer, il faut tout faire pour que ça reprenne. Franchement, c'est l'ancienne direction qui avait fait ça. C'est une bonne idée, c'est louable. Moi, le président de l'époque, je ne le connais pas. Parce que j'y étais pas. Donc moi, je regarde extérieur. Je ne sais pas ce qu'il a fait au club, mais en tout cas, cette idée-là, moi, ça me parle. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, ce qu'il a fait, la gestion, etc., ça, c'est un autre sujet. Mais moi, ça ne me regarde pas. J'y suis pas. Je ne travaille pas avec lui. Je ne suis pas dans le club. Okay. Donc on arrive vers la fin de cette entrevue. Il y a encore deux petites questions à te poser. Kamel Yesli, est-il prêt à revenir travailler, à porter sa touche en Algérie? Je vois que vous êtes beaucoup plus penché vers le commercial que sur le sportif, le commercial, la gestion, le marketing. Donc, êtes-vous prêt à investir vos efforts là-dessus en Algérie? Bien sûr. Là, j'étais en Algérie au mois de septembre. Je suis rentré. J'y étais encore ces 15 derniers jours. Je suis rentré hier soir. Je repars là dans 3-4 jours, je crois. Parce que je suis en train de m'installer. Je prépare mon installation. Parce que c'est bien d'avoir des projets. Mais si on est en France ou au Canada ou ailleurs pour développer quelque chose pour le pays, ça va être compliqué si on est à 1 000 km ou à 5 000 km. Moi, je vais aller là-bas sur place pour développer, pour aider. Après, ce n'est pas forcément que marketing, etc. Moi, si le club a besoin d'aide, je suis là. Mais pas pour faire n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont compétents. Justement, Chacun a un métier. la question qu'attendent tous les supporters de la GSK, si demain le club fait appel à vous, vous allez revenir aider, prêter main forte, surtout dans. J'ai pas entendu la question, ça a coupé. J'ai dit, si demain le club phare de la Kabylie, la GSK, notamment c'est la question que se posent tous les supporters, fait appel à vous. Donc, est-ce que vous êtes prêt à prêter main forte à ton club du club? Mais bien sûr, sans hésiter, sans hésiter. Mais après, comme j'ai dit, pas pour faire n'importe quoi, parce que si demain on me demande d'être entraîneur, ben non, je suis pas compétent. Si on me demande demain d'être, je ne sais pas moi, un rôle qui n'est où je sais que je peux rien apporter, mais si c'est juste pour faire de la figuration, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas besoin, sans prétention encore une fois, hein, je préfère rester modeste, etc. Je n'ai pas besoin de m'afficher au stade à faire des photos pour dire que je suis là si je fais rien en fait. Si je suis là, c'est que j'ai un rôle prédéfini. Si c'est pour venir, pour dire que je suis là, j'aide alors que je fais rien du tout, et derrière, je vais vendre mon image à droite à gauche en disant que je suis dirigeant de je sais pas quoi ou quoi, pour après derrière faire des affaires, ça m'intéresse pas en fait. Moi, si je viens, c'est parce que je viens pour un but précis. Avez-vous eu des contacts dernièrement, vraiment, que ce soit de la part de la GSK ou d'un autre club, pour Oui, travailler et... on m'a proposé de prendre un club de 4e division. De racheter un club de 4e division, être président et le développer. Mais Ok. j'ai décliné parce que ça ne m'intéresse pas et parce que c'était loin de chez moi. Ok, bien. Mais oui, après ça, on m'a proposé. J'ai décliné, honnêtement. D'accord. Bon, Kamel Yesli, on arrive à la fin de cette entrevue, donc je te laisse le soin de passer un message aux supporters de la jeunesse sportive de Kabylie particulièrement et du public sportif algérien en général. L'union fait la force. Il faut être unis si on veut sortir la tête de l'eau. En tout cas, je parle pour la JSK, hein, bien sûr. Il faut être unis. Les comptes se feront à la fin. Mais si chacun tire de son côté, ça ne fera pas avancer le débat, ça ne fera pas avancer les choses, ça va plus créer des soucis qu'autre chose. On s'unit, on sauve le club, on s'assoit autour de la table, on discute, on prend les décisions.
Quand je dis on, hein, je dis les gens concernés, hein, prendre les décisions qu'il faut et repartir sur de bonnes bases, parce que là, la situation est vraiment, vraiment délicate. Ça fait peur, en fait, parce que on se dit, allez, le prochain match, c'est un espoir, et au final, ben, on est déçu. Et ça commence, ça continue, ça continue, ça continue, mais plus ça continue, plus le club s'enfonce, parce que les autres devant gagnent. Donc l'écart va se creuser et ça va être très, très compliqué. Donc d'abord l'union et les comptes après. Un grand merci, Kamalis, d'avoir été avec nous sur Feder TV. Donc, on a parlé de la jeunesse sportive de la Kabylie, vu la situation dramatique qu'elle vit actuellement. Donc, تنميرة نولي كان ودي تابعنا هنا كي في الدار تي في قيمة ديال نهار تساعد هاد الحوانت تي دوي لينا ندد نوي اول افدا بخ نظار دي الدور ادي الدون تنميرة نول ارثي مليليث